En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Aujourd'hui, petite vidéo, bref, parce qu'il y a une personne, un de mes abonnés m'a envoyé une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Julien Calguriri. Julien, grosso modo, qui est un athlète pro, qui fait du mince physique, qui fait des compétitions, et la vidéo, elle s'appelle 3 kg de muscles secs en un mois. Après, protéines, pancakes protéinés, machin, etc. Voilà. Bon, le but, c'est pas le pancake protéiné, mais moi, j'interviens 3 kg de muscles secs en un mois. Attention. Je vais exprimer mon avis à moi. Après, je vous laisse vous exprimer, vous, le vôtre, en commentaire. Vous pensez que 3 kg de muscles secs en un mois, c'est faisable? C'est chaud. Maintenant, il se dope ou pas, je m'en fous. Qui se dope, je m'en fous. Je le répète encore une fois, c'est sa propriété privée, et sachant très très bien que les athlètes professionnels, c'est 100% dopage. Arrêtez. Ne parlez pas bodybuilding sans dopage. Surtout chez les pros. Ok. On va à ça, on... Terminé. Et là, il y a un accident... je crois qu'il a eu des problèmes au niveau du dos, il s'est fait opérer du dos, etc. Il a perdu de la masse musculaire énormément. Parce que vous voyez son physique, hein, vous le connaissez, vous voyez son physique. Je vous montre en photo et tout ça. Et quand vous voyez son physique, il, après l'opération, comment il est devenu, et en même pas un mois, comment il est revenu. Je vais pas dire que c'est naturel, hein. C'est clair, net et précis, quand on est habitué à un rythme, voilà, au niveau de la chimie, au niveau du stéroïde anabolisant, du dopage, etc. Et du jour au lendemain, on l'arrête, on le stoppe. C'est comme la plupart des bodybuilders, on perd énormément. On perd énormément de masse musculaire. Ce qui s'est passé chez lui. Après, moi, je lui souhaite le bon rétablissement. Je ne souhaite pas la mort à quelqu'un ou je ne souhaite pas qu'il soit en danger. Non. Moi, je fais de la prévention contre le dopage, autre chose. Après, quand je vois des vendeurs de rêves, j'interviens. Maintenant, je ne suis pas là pour dire qu'il est dopé ou n'est pas dopé. Je m'en fous. Il n'y a que les aveugles qui voient que ce type de personne est naturel. Ou il n'y a que des aveugles qui voient que les athlètes pros, ils sont naturels. Attends, tu ne vas pas regarder Ronnie Coleman, par exemple, et me dire, ah, il est naturel à 300%. Et si lui, même si lui, il te dit qu'il est naturel à 300%, tu vas le croire, toi, derrière la caméra? Je ne suis pas là pour le juger, mais je suis là pour vous ouvrir un peu les yeux. Parce que 3 kg de muscles secs en un mois, et vous montre une panoplie de compléments alimentaires derrière, quand il fait ses protéines, ses pancakes protéinés, etc., il y a des gens qui vont croire avec les compléments alimentaires qu'ils vont avoir 3 kg de muscles secs en un mois. Et oui, les Spartiates, même si c'est impossible, et... Dans votre tête, vous dites non, ça peut. Il n'y a pas des gens comme ça qui vont croire. Mais si, il y en a. Il y en a. Ils sont tellement concentrés sur le physique que sur le résultat rapide qu'ils pensent qu'avec toute la panoplie de compléments alimentaires qu'ils vous montrent, avec son sponsor, parce que c'est clair qu'il faut vendre, c'est un business derrière les compléments alimentaires, vous allez vous dire ah, je vais avoir les mêmes résultats. Ça m'intéresse. Ah, l'évolution. Quand on parle d'évolution rapide, tout le monde vient au courant. Bon. Moi, je suis là pour vous ouvrir les yeux. Et de vous dire que 3 kg de muscles secs en un mois, impossible. Même avec le meilleur régime alimentaire, le meilleur programme d'entraînement, c'est impossible. Tu peux par exemple prendre 4-5 kg. C'est même largement énorme, 4-5 kg. Même si tu prends 3 kg, mais tu crois que les 3 kg, ils vont être du muscle sec? Impossible. Vous, quand vous voyez muscles, vous courez, vous voyez sec, vous courez. S'il prend 3 kilos, sur les 3 kilos, s'il prend 1 kilo de muscle et le reste un peu d'eau, de gras,
Mais 3 kilos de muscles secs en un mois, bam, pou, bam. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de produits derrière. Et je ne dis pas qu'il n'a pas bossé, mais il a bossé, il s'est entraîné, il a repris son régime alimentaire, mais il y a quand même les fruits qui ont bien joué leur rôle. Quand je dis les fruits, vous connaissez très bien maintenant les fruits, pour qu'ils puissent avoir ce résultat. Et les pancakes protéinés ou autres là qu'il vous montre là dans sa vidéo, ça c'est juste pour le code promo, etc. Et ils n'ont rien à voir avec le résultat qu'il a eu. Je vous le dis de suite, que vous mangez des pancakes protéinés matin, midi, soir, que vous les chiez, chiez, chiez jusqu'à en chier dans les chiottes, il n'y aura pas de muscles, les amis. C'est juste pour le sponsor, ça, pour que les gens croient que c'est grâce à ces compléments-là qu'il a eu ce résultat-là. Mais vous le savez très très bien que c'est pas possible du tout. Ouvrez les yeux, les amis, ouvrez les yeux. Les résultats rapides, comme ça, hein, surtout chez les athlètes pros. Les athlètes pros, ils arrivent à changer de physique comme ils veulent. Et les athlètes pros, ils savent très très bien que quand tu rentres dans le milieu du dopage, impossible pour toi. Tu te trouves balèze, énorme, et du jour au lendemain, tu as un problème de foie, de rein, etc. T'arrêtes. Putain, t'es habitué à avoir des gros prêts, du jour au lendemain, tu les as plus. Mais t'es frustré, c'est psychologique, tu pètes les plans. Donc du coup, ce que tu fais, tu replonges encore et encore et encore et encore. Dopé un jour, dopé toujours. Voilà les amis, ouvrez les yeux. Ce type de résultat-là, il est impossible naturellement. Ok, ça c'est la conclusion finale. Avec la souffrance qui paye, si vous voulez parler, dans les commentaires les amis. Je ne suis pas là pour clasher, il n'y a pas de clash, il n'y a rien du tout. Mais quand je vois le résultat, je ne juge pas la personne, je m'en fous de la personne ou du youtubeur, mais je parle plutôt du résultat. Donc qu'il soit lui ou un autre américain ou je ne sais pas quoi, ce type de résultat-là, il vous vend du rêve, mais ce n'est pas possible naturellement les amis. C'est bon, c'est bâclé. Ma page Facebook, ActorTeamHK, mon Instagram, Maître K. Je compte sur vous, exprimez-vous en commentaire. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et chez les Spartiates, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Ouvrez les yeux, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et les amis, surtout, vous allez vous démotiver de la musculation. Les résultats rapides ne ramènent jamais de la qualité. Alors, essayez de prendre votre temps. Ce milieu-là, c'est de la patience, de la persévérance et de la souffrance à 300%.